terre quand les ombres font peur. Le pouvoir de la lumière éclairera ton cœur. N'abandonne pas, n'abandonne pas. Si tu es fort, tu auras tout le pouvoir. Garde la foi, tu survivras. C'est la force qui est en toi. Crie très fort et n'oublie pas. Hantik te protège. Va, va. Un secret des jours anciens raconte une belle histoire. Un pour tous et tous pour un, combattant pour la gloire. N'abandonne pas, n'abandonne pas. Si tu es fort, tu auras tout le pouvoir. Garde la foi, tu survivras. Forêt sud-américaine. Après des années de recherche, l'équipe Hantik est enfin parvenue à entrer en contact avec le père de Locke, Eaton Lambert, qui s'avère être prisonnier de Hantik, le monde des titans. Eaton révèle à Locke que la Terre est menacée par une force maléfique, la spirale de sang, que seule la famille Castorwill a le pouvoir d'affronter. Il laisse à l'équipe Hantik des indices dissimulés dans les mystérieuses prophéties du voyant Nostradamus. Messieurs, je crois que c'est cela que vous recherchez. Je comprends mieux pourquoi le professeur tenait tant à toi, Hoffman. Tu es d'une efficacité stupéfiante. Monsieur Wilder, permettez-moi de vous présenter la fameuse tour bâtie par Nostradamus. Ah, je l'imaginais plus grande. Ne me dis pas que tu crois à ces sornettes de voyants, Hoffman. J'espère. De toute façon, la Fondation Hantik a fait le ménage il y a bien longtemps. Ce n'est plus qu'un musée aujourd'hui. Les informateurs de Stack nous rapportent que la Fondation est à la recherche des quatrains perdus de Nostradamus. Ils ne lèveraient pas le petit doigt s'il n'y avait pas un trésor derrière. Oui, certainement un vieil artefact de Nostradamus. Comme le monocle divinatoire qui, soi-disant, était capable de lui montrer l'avenir. Nous le saurons bientôt. Bonjour, mademoiselle. Belle journée, n'est-ce pas? Je voudrais 5 entrées, s'il vous plaît. C'est très gentil, merci. Je ne saisis pas, monsieur. Nous entrons par la porte principale et en plus, nous achetons des billets. Tu sais, petit, parfois, les plans les plus simples sont les plus efficaces. Oh, parbleu! Dis-moi, beauté, toi, tu crois vraiment que Nostradamus était un magicien qui pouvait voir le futur? Oui. Ils sont de l'organisation. J'ai identifié Hoffman grâce au fichier et je crois que l'autre, c'est Wilder. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Il n'y a plus rien à découvrir dans cette vieille tour. Il y a encore les ruines d'un ancien observatoire qui reste à explorer, n'est-ce pas, Peter? Et ce n'est pas surprenant qu'elle reste introuvable. Nostradamus était spécialisé en pouvoir de dissimulation façon Castorwill. Nous devons les stopper et les renvoyer d'où ils viennent. Quelle idée géniale, à 5 contre 2. 3. C'est mieux si tu restes par ici, non? Juste au cas où. On a fait le tour de cette pièce, Monsieur Wilder. Crétin de lèche-botte. Tenez, jetez un œil à ça. C'est le fichier secret que tu as trouvé dans les archives de l'organisation, c'est ça? Oui, et ça dit qu'il y a quelque chose derrière ce mur. Pulse au rayon! Encore des petits soldats de la Fondation Hantik? Lève-toi, artiste du combat! Il va falloir déployer d'autres talents que cela. Pulse au rayon! Marc Harvey! Touchez Bélier! Vite, c'est pas vrai.
Répondez, allez, il y a urgence. Nous sommes désolés, mademoiselle, mais le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Onde explosive. Bonjour à tous les membres du Conseil Untik et merci d'être venus. Nous sommes tous réunis ici pour parler d'un sujet particulièrement épineux. Ça suffit, Momax. Nous avons suffisamment augmenté le financement des équipes de chercheurs. Hein? Je me suis déjà occupé de virer tous les fonds pour éviter toute forme d'abus. Hors sujet, nous avons reçu un message de détresse. Il a été envoyé du musée de Salon qui est pris d'assaut par l'organisation. Comment savent-ils ce que le musée recèle? Il faut absolument les arrêter. Envoyons-leur l'équipe Untik. Le retentissement planétaire de ces prophéties a propulsé Nostradamus de simple voyant au rang de véritable légende. Mais était-ce un visionnaire ou un escroc? Te presse pas, surtout, je vais répondre. Bonjour, ou plutôt, bon après-midi. Metz. J'ai une mission, écoutez bien. Nous avons reçu aujourd'hui un appel d'urgence provenant d'une base arrière située à Salon, en France. Plus précisément, le musée de la tour de Nostradamus. C'est une attaque de l'organisation? Oui, il semblerait qu'ils soient entrés et qu'ils aient posé un petit problème à notre équipe locale. Ce n'est pas prioritaire. On doit élucider d'abord les énigmes des prophéties qu'a laissées mon père. J'ai passé la nuit à les potasser. Ne faites pas attention à lui. Avant 14h, il ne sait même plus comment il s'appelle. Mais si, je parle des poèmes en quatrain écrits par un certain Nostradamus. Nostradamus? Il faut qu'on aille tout de suite voir cette tour. Personne n'a jamais réussi à retrouver son observatoire secret. La bande de Wilder a dû mettre la main sur quelque chose dans les archives de l'organisation. Je suis persuadé qu'en déchiffrant les énigmes de mon père, on trouvera aussi des indices. Nom de la mission, la tour de l'oracle. Intercepter l'organisation et l'empêcher de trouver l'observatoire secret de Nostradamus. Est-ce que c'est vraiment toi? Locke, quel bonheur. C'est un rêve qui se réalise. Papa... Locke, ne t'inquiète pas. Je reviendrai très vite. Je t'aime, mon fils. On ne sait même pas ce qu'on est censé chercher. Comment veux-tu que... Locke, tu ferais mieux de dormir un petit peu, ça te ferait du bien. J'y arrive pas. Mon père m'a laissé toute cette poésie prophétique et moi, je galère. Tu parles des quatrains perdus de Nostradamus? Ouais, c'est ça. Et là, comme par hasard, il nous tombe dessus une mission sur les lieux mêmes où Nostradamus les a écrits. J'y comprends plus rien. Oh, papa! Locke, écoute, mon fils. Tu dois trouver et les sauver tous. Papa, j'entends un mot sur deux. La réception est mauvaise. Il faut que tu nous aides. Qu'est-ce qu'on doit chercher? Le chemin vers l'épée de volonté et le monocle divinatoire de l'oracle. Tu dois, monocle divinatoire, te guidera les quatrains. Papa, c'est quoi? L'épée de volonté? La clé. Les Castor Wheels doivent survivre. Ils doivent survivre. Détruis la spirale. Toi seul le peux. Zalia, vérifie que tout le monde est bien attaché. Bonjour, c'est votre commandant de bord qui vous parle. Est-ce qu'il va bien vouloir attacher vos ceintures? Nous devons traverser une zone de turbulence. Et enfin, qu'est-ce qui se passe? Attachez bien vos ceintures, l'organisation nous attaque. Locke! Timing parfait, Locke. On va voir comment tu mets à profit tes simulations de vol. Cool, je suis trop impatient. Les simulations, c'est sur Terre que ça se passe! Tu ne vas quand même pas me dire que tu n'as jamais piloté un jet! Techniquement, jamais. Si tu veux mon avis, il faudrait peut-être d'abord que tu t'entraînes! Les cibles sont verrouillées. Préparez les missiles. Trouve cible! Paré au lancement? Paré!
Ouh, ça sent mauvais tout ça! Dante, les missiles classiques ne se déplacent pas comme ça. Ils ont dû les verrouiller sur nous avec un pouvoir. Actionne les boosters! D'accord. Oh non! Ça change rien! Locke, maintiens la vitesse. Il est temps pour nous de leur montrer nos pouvoirs. Zalia! Monsieur, regardez! Quels idiots! Le pouvoir trouve cible peut reconnaître une cible à vue! Les missiles les cherchent, eux, pas le jet! Dans le mille! Informez, monsieur Wilder! Nous les avons tous eus! Mais qu'est-ce que... Non! Zalia, ton spectre mémoire a fait un sacré carton! Oui, mais c'est Sophie qui a eu l'idée. Et on peut remercier Locke de nous avoir permis de rester en vie pour son premier vol. Un vrai travail d'équipe. On a enfin réussi à trouver un cours où Locke arrive à rester éveillé. Monsieur, je vous confirme que la porte n'est ni fermée ni piégée de quelque manière que ce soit. Attendez, il y a une inscription bizarre au plafond. Qui osera violer mon sanctuaire subira la damnation éternelle. C'est la prophétie que Nostradamus a exhalée sur son lit de mort. Je confirme, monsieur. La porte n'est pas piégée. L'organisation... Wilder... Vous n'avez rien entendu, monsieur? Ce n'est rien. Monsieur, j'ai un mauvais pressentiment à propos de la malédiction. On devrait s'arrêter là. C'est une vieille supercherie destinée à faire peur à des imbéciles comme toi. Excusez-moi, monsieur. Il n'y a rien dans cette pièce. Oh que si. Obéissez et continuez à chercher. Ils ont raison, monsieur Wilder. Cette pièce est remplie de vieilles babioles, mais aucune n'a de pouvoir magique. C'est là, sous notre nez, mais nous sommes aveugles. Il doit forcément être là. Je vais voir où ils sont passés. Regardez là-haut. C'est Peter. Il a l'air d'aller bien. Il regarde vers l'entrée principale. Il doit chercher les membres de l'organisation. Vous m'entendez? C'est la garde de Wilder. Il faut s'en débarrasser avant qu'il ne donne l'alarme. Oh, excusez-moi, est-ce que le musée est encore ouvert, monsieur? Vous êtes folle ou quoi? Il est minuit passé! Est-ce que tout le monde va bien? Maintenant, oui. Vous n'imaginez pas à quel point je suis content de vous voir. Pas plus que nous sommes contents de vous revoir en entier. Peter, il faut que tu les conduises vite à l'hôpital de la Fondation, d'accord? Je m'en occupe, ne t'inquiète pas. Parfait. Allons voir maintenant où en sont nos amis les méchants. Je ne trouve absolument rien. Qu'est-ce qu'ils fabriquent là-dedans? Je n'en ai pas la moindre idée. Ah! Je rêve. Il n'a pas vu le titan devant lui?
Apparemment, non. Ils sont pour le moins imposants. Vous les avez déjà vus? Consulte l'holotome. Il va certainement nous dire ce que c'est. Holotome, identifie ces titans et vite, s'il te plaît. Ça y est, je me rappelle. J'en ai déjà rencontré un par hasard. Il montait la garde devant le laboratoire secret de Nikola Tesla. Il est pratiquement impossible de les frapper. Sentinelle Triclops. Attaque 10. Défense 8. Type Sentinelle Lito-Titan. Taille grande. Particularité esquive précognitive. Il a dit esquive précognitive? Ouais, c'est ça. Il peut anticiper les attaques avant qu'on y ait pensé. C'est un magnifique pouvoir, mais ça n'explique pas pourquoi l'organisation ne les voit pas. Il faut intervenir au plus vite avant qu'ils ne trouvent le monocle divinatoire de Nostradamus. Tu veux dire plutôt avant qu'ils ne marchent dessus? Nostradamus n'aurait pas pris le temps de camoufler cette pièce si elle ne renfermait pas un trésor d'une grande valeur. On devrait tout ramener au quartier général pour de plus amples examens. Hein? Mais qu'est-ce que... N'y pense même pas! Oh, quelle belle surprise! Décidément, tu es étonnant, Dantval. J'aimerais bien savoir comment tu as réussi à te débarrasser de mon hélicoptère de combat. Il a cru nous prendre par surprise et nous l'avons contraint à un atterrissage forcé. Hyperso! Ombre affaiblissante! Voilà ce qu'on cherche! Lâche ça! Allez! Lève-toi, Feyan! Oh! Oh! Tu ne m'échapperas pas! Arrête de bouger! Pour un dragon! Hey, plus ça va et plus je trouve ça franchement facile. C'est les ombres! Ça suffit! Flash éclair! Dante, cette fois on passe aux choses sérieuses. Lève-toi et bats-toi! Passe-le! Lève-toi et détruis-les, Incuban! Basler, défense puis attaque frontale. Oui, chercheur! Onde explosive! Basler, onde énergétique. Pourquoi est-ce que tu ne lâcherais pas ça, petite? Touchez, bélier! Gros menace! Maintenant, voyons l'effet que ça a sur toi, titan! Je ne laisserai jamais une gamine se mettre en travers de ma route. Personne ne me gifle sans en payer cher le prix. Force ivre! Lame furtive! Lame furtive! Qu'est-ce que vous avez à rire, tous les deux? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça?
qui osera violer mon sanctuaire subira la damnation éternelle. C'est marqué juste au-dessus de la porte. Mais pourquoi est-ce qu'on les voit, ces titans? Nous avons également violé le sanctuaire, il me semble, non? Non! Nostradamus était un chercheur, Castor Will. J'ai donc le droit d'entrer dans son sanctuaire. Ouais, et il a créé une malédiction pour punir les impies et une prophétie pour les tenir à l'écart. Nostradamus, c'était pas un rigolo. Ce coffre doit renfermer le monocle divinatoire. Pourquoi est-ce que Nostradamus l'a mis autant en évidence? Il n'a même pas essayé de le cacher. Ce n'était pas nécessaire. Il savait déjà que l'organisation viendrait ici. Et il savait que son subterfuge fonctionnerait. Il était donc inutile de le cacher. Alors le voilà, le fameux monocle divinatoire de Nostradamus. C'est fascinant. Eh bien, espérons qu'il nous oriente dans la bonne direction. Pour cela, il faut d'abord regarder à travers. Locke, est-ce que tu peux projeter sur le mur avec ton holotome les quatrains que ton père t'a laissés? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vais regarder. Qu'est-ce que tu vois, Locke? Rien du tout. Essaie en te mettant dans la lueur de la lune. Waouh! Ça fait comme un kaléidoscope. Un kaléidoscope? Vite, fais-le tourner. Attendez, il n'y a plus qu'un seul quatrain. Et alors? Qu'est-ce que ça dit? Sur l'île des Rois du Nord, brûlent des lampes appelées Souffle du Dragon. Une épée sauvera la future reine, mais l'œil rouge règnera à jamais sur la terre. Ça ne veut rien dire. Vous comprenez, vous? Réfléchis une seconde, Locke. Au temps de Nostradamus, l'Europe continentale était à peu de choses près la seule terre connue. Donc l'île des rois est certainement l'Angleterre. Et si on va plus loin, le dragon était l'emblème du roi Arthur. Ça serait donc l'île du roi Arthur? Tu parles d'Avalon? Eh bien ma foi, quelle foule d'indices. Le roi Arthur, Castor Will, le dragon... Je crois qu'on tient une piste. Locke! Il faut que tu viennes voir ça! Waouh! On dirait que Nostradamus avait anticipé les événements d'aujourd'hui avec précision. Et il avait l'air d'être plutôt attentionné! En vieux français, ça signifie « bonne chance, Locke font peur. Le pouvoir de la lumière éclairera ton cœur. N'abandonne pas, si tu es fort, tu auras tout le...